parler comme voilà, Sénégal, sans aller comme jeune homme ici. Et félicitations aussi à Nadi, malgré les félicitations, vous bah. Et ça m'a dit, je vais vous entendre pendant 45 minutes, lancer le message, parce que je connais le Sénégal, je connais le Sénégal du début à la fin. Je vais vous donner le message. Voici cette photo, je vais vous donner le message. Je vais vous donner le message. En même temps, aussi, je vais vous féliciter si vous avez besoin d'être. Et ensuite, je vais vous donner une photo de Karamba Kabe. Trois finalistes, je vais envoyer mon trois finalistes, je vais vous donner le bénin d'or. Et je vais vous dire, peut-être, il y a le nom de l'autre de l'autre. Donc, nous allons remercier Karamba. Karamba! Bon, mon père, il est bien, vraiment fier de toi. Ensuite, il m'a envoyé des messages pour que je te transmette ce message. Il te dit qu'il est fier de toi. Ensuite. Ensuite, il t'a transmis des messages de félicitations. Ensuite, il t'encourage pour cette performance que tu as fait. Rombo, ça part. Merci beaucoup. Waaw musul am Sénégal té gëm nañ benen genn mom dinañ gëna redoubler d'effort gëna défat exploit ci cartonu borom bi mais gis na fi ben esprit de groupe yow en tant que capitaine lan nga ñu mëna wax ci équipe nationale de boxe bi est-ce que esprit de groupe bi ngeen am mo woné tay performance ngeen am fofu la ci Congo waaw comme luma yag wax ñun rek ñun ñëpp nous sommes une famille ñun ñëpp lu metti tamit Sénégal lañuy xéxal ma dem kenen dem ñun ñëpp da ngay ñaanal sa morom mu am médaille parce que lolu on fierté Sénégal la quoi waaw esprit d'équipe mom en tant que capitaine lolu man dama ko yaga xex té man gëm na ni suñu bolo suñu esprit d'équipe moñu may médaille d'or bi reen waaw merci non sama rak la waaw da ba xam da Ça s'est bien passé. Sante yalla wa di wax alhamdoulillah surtout remercier le bon dieu delu lepp ci loxe yalla parce que ñun depuis bu duggé ci box bi ku nek amone nga say ambition fixer say objectif et tout mais cette fois-ci yalla dafa def que ya une très spécialité parce que depuis lors ñun ñongi doon daw ci ginnaw médaille d'or au championnat d'Afrique Dieu a fait que Karamba Kabe remporte dans toute l'équipe. Donc, ce que je veux pour l'équipe, pour le coup. Donc, et puis cette fois-ci, on profite de dire que on espère que Benen Yon, ministère de Nayok Sunukota, j'appelle une super préparation pour que nous sachions que nous sommes capables. Et puis, nous sommes des passionnés. Nous sommes des passionnés. Funek la ñuy joggé ñew di ñu jappalé ci regroupement yi spécial Côte Sissar day joggé ba bour ñew pour 0 franc ñew ba fi dama oyé moy ambianceur groupe bi voilà ba do oyé ba tu ko contane ñew bay contane mais ñu lay wowe oyé oyé way c'est la gars mais mo dakk ndek combattant no yo lay jappalé Mais le diam. Alhamdulillah. Wa Bouba, boy jambar lañ. Ay jambar lañ. Ñu lu leen digal loolu lañuy def. Vraiment, duñu haat dara. Regroupement niñu fi nek interne ba dem lepp heure bi bu joré dañuy ñom ñep dañ nek sur place. Am lool rek mo am solo. Waaw, Yalla def na nak Yalla sutural nañu. Ñu gëreem ñuy gëreem suñu président Mamoun Sène, président fédération bi. Vraiment jambar la.
il est temps ministère bi jappalé jappalé ko comprendre nga jambar na quoi wax deug yalla luma am rek ci poste lu koy def waaw amé ñuy gëreum ñëpp nak sénégal bi ci sen taxaway bi ak ñaani quoi ba sant yalla bu baax lebay ba inshallah jajjam d'être médaille d'or ça fait énormément plaisir mais je reste quand même concentré en même temps. Je sais que là maintenant j'ai la médaille d'or et les années qui vont arriver, les Sénégalais vont m'attendre. Donc il faut que je fasse encore plus, Inch'Allah. Maintenant, aujourd'hui, quelle a été la motivation que tu as eue durant cette compétition? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis un challenger. L'année dernière j'ai fait la médaille d'argent. C'était impossible que je reparte avec le bronze. Impossible que je refasse argent. C'était que l'or, l'or rec, c'est tout. Et qu'est-ce que ça te fait, Karamba, d'avoir... d'être médaille d'or, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas eu lieu au Sénégal depuis presque 10 ans ou plus. Moi, je me considère comme un ambassadeur du Sénégal. Je veux représenter le Sénégal à haut niveau. Là, je suis rentré dans la légende en cassant ces 26 ans d'absence de médaille d'or. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, je vais refaire d'autres records. Voilà. Parle-nous de ton combat un peu. Donc, le combat qui t'a hissé aujourd'hui, c'était un combat difficile. Franchement, j'étais en finale contre le Congolais, chez lui à Kinshasa. Toutes les pressions que j'aurais pu mettre, il est à domicile, faut que je fasse plus. Je me suis mis zéro pression. Comme je vous ai dit, j'avais que des pensées positives. Et au final, je l'ai bien boxé devant chez lui. Même son public s'est retourné. Et son public me supportait aussi. Donc, pas de pensées négatives. Je savais que j'allais gagner. Et quel est ton objectif? Parce que tout à l'heure on te l'a demandé, aujourd'hui il y a les championnats du monde de boxe qui arrivent. Aujourd'hui, est-ce que tu as comme objectif d'être champion du monde en boxe? Ah, c'est le rêve de tout boxeur. Moi comme j'ai dit, je me considère comme un ambassadeur du Sénégal et je veux mettre le Sénégal en avant. 26 ans ça n'a pas été fait, je ramène la médaille d'or. Ils n'ont jamais fait de médaille au championnat du monde, j'ai envie de faire une médaille. Tout ce qui va mettre le Sénégal dans la légende, je suis prêt à relever les défis. D'accord. Et aujourd'hui, quel message lances-tu aux Sénégalais par rapport aujourd'hui à tout ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé avec l'équipe nationale de boxe durant cette compétition à Kinshasa? Mais moi, je voulais adresser un message à tous les boxeurs sénégalais, que ce soit international ou local. Continuez à vous entraîner. C'est vous qui décidez de votre sort. Entraînez-vous. Et quand on veut, on peut. Faut pas lâcher. C'est tout.